la prophétie s'accomplisse ou ça s'accomplisse pas, nous allons dire merci à Dieu. Qu'il nous arrive le bonheur, qu'il nous arrive le malheur, nous allons dire merci à Dieu. Car il est fidèle, son amour dure à jamais. La prière de la gratitude. Tu sors le matin, Ozoate, quand tu rentres le soir chez toi à la maison, fais sans ambewana merci. Ozala déjà boti, ozala nano botite, mais vu qu'il y a la prophétie sur ta vie, que tu seras la mère des enfants, ma soeur, mon frère, fais sans ambewana merci. Soto lobito calculer ba nombre ba zemi oyo longola. Oza muto bota alisute. Mais le Seigneur t'a fait grâce aux uibana. Non, lobelela ezambe merci. Otanga na kutu ba classe a malonga te. Français pe mobulu. Anglais kutu to loba kutu te. Mais nzamba salio grâce aux uibana mosala. Pe sans zambe wana merci. Oza muto vivaka na ba relation. C'est Dieu qui a permis que oza latina niveau ba relation wana. Parce que sans Dieu on ne peut rien faire. Pe sans zambe wana merci. C'est l'affirmation la plus puissante. Non. Plusieurs négligent ça. Plusieurs to néglige à makambu. Oyoyo, to mi pe saka mingi na ba prière ya ba futilité. To mi pe sa mingi na ba prière ya ba destruction des hôtels. To mi pe saka mingi na ba prière ya ba buka bikeko, lamba bikeko, balola kuna zongisa kuna. Oui. Mais la prière la plus puissante, c'est la prière de la gratitude. Temps de la parole. Devant vos difficultés, devant des problèmes, élève seulement le nom de Jésus. Tu te retrouves devant une situation. Non, c'est Dieu qui a permis que cela arrive, bien-aimé. Fléchis tes genoux à cause de ces problèmes, non seulement pour demander la solution, mais pour élever ce Dieu-là. Qui va te donner la solution devant ce problème qui persiste devant ta vie? Temps de la parole. Celui qui élève Dieu, Dieu aplanisse toutes les montagnes qui est là devant lui. Celui qui élève Dieu, Dieu fait repousser toutes les malédictions qui est là devant lui. Celui qui élève Dieu, Dieu fait repousser la condamnation, la malédiction, la sécheresse, les esprits impurs qui s'avancent devant lui. Celui qui élève Dieu prend de la force surnaturelle. Celui qui élève Dieu n'a pas peur. Celui qui élève Dieu, même si, etikali une minute, il a toujours de l'espoir que le Seigneur va s'élever. La Bible nous dit, reconnaissez la voix de l'Éternel. Et il aplanira tous vos sentiers. Il aplanira. Non, je prie à mon Dieu d'aplanir toutes les montagnes qui sont là devant toi. Toutes les montagnes de malédiction. Toutes les montagnes d'esprit de mort, de la maladie, de la condamnation qui s'élèvent devant toi. Que cela soit aplani par les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le montagne de la stérilité, le montagne de la pauvreté, le montagne de manque d'emploi, le montagne de manque d'intelligence, le montagne de doute. Que cela soit aplani par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me croit dit fort amen. Yes. Temps de la parole. Merci bien très cher ami fidèle internaute, vous nous suivez de partout dans le monde, c'est toujours là le serviteur de Dieu et l'évangéliste René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous dans toute l'abondance du ciel au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et alors nous sommes encore là pour faire la clôture de notre très grand sujet au Wapito Fongola qui sur la puissance de la prière. Aujourd'hui c'est la clôture.
Aujourd'hui, vraiment, c'est la clôture de notre thème, la puissance de la prière. Owapi, to bandaki, pe to kominengo na suka. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous a suivis depuis le début de ce grand thème jusqu'à présent, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur multiplie l'intelligence et la sagesse dans votre vie au nom puissant glorieux de Jésus et qu'il répond à votre problème au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer, manifester les signes de la joie, les signes de l'amour auprès de celui qui nous a créés et celui qui nous a donné la force, celui qui a commencé avec nous comme Alpha, il a acheminé avec nous comme Emmanuel et aujourd'hui, il va clôturer avec nous comme Omega. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour toi. Non, je t'ai dit que la bénédiction d'aujourd'hui est une bénédiction pour toi. Et le Seigneur veut te parler. Dans quelques minutes, voilà. Là, nous disons un très grand merci à notre chaîne partenaire Trace RDC News. Pourquoi pas dire un très grand merci aussi à vous, peuple de Dieu, peuple béni, le vainqueur, le co-héritier de Christ que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Merci vraiment de votre fidélité. Merci de votre amour. Merci de la patience. Merci de partage. Merci de vos soutiens que vous nous donnez de partout dans le monde. Que le Seigneur soit avec vous au nom puissant glorieux de Jésus. Un très grand merci à Isaac Parker depuis Paris. Merci beaucoup à Nadar Joker. Merci beaucoup à ma maman Paola Schengen na Londres Zambe à Pambolo ya trop maman Jeannette Mweni na Angola. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle maman Céline Mujinga wetu. Aujourd'hui vraiment c'est la fin et la clôture de notre grand thème, la puissance de la prière. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur a béni nos âmes, dont nous avons été enrichis, richement bénis à travers son serviteur René Abiri. Voilà pourquoi je dis un très grand merci à Yawili Moucheni Kodiamboka, que le Seigneur bénisse aussi le chaîne Trace RDC News. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Marie-Paul Bittens depuis Paris. Merci à Dani Bokombe Tsunami, Cornelia Doucy Givenchy. Vous êtes tellement nombreux, DJ Samouraï, mon ami à Paris. Pasteur Papi Tchefou, merci aussi à celui qu'on appelle mon père spirituel, le révérend docteur Meshach Moukoko. Mon père, je suis fier de toi. L'intelligence et la sagesse que j'ai acquis aujourd'hui, c'est grâce à vos enseignements. Merci beaucoup au docteur Meshach Moukoko. Pourquoi pas dire un très grand merci à ce bon Dieu-là qui est toujours fidèle, qui nous donne la force de persévérer toujours dans la crainte et dans la fidélité de l'amour de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur nous bénisse encore. Et alors, Namikoleleki, tu es bien qu'on parlait sur la puissance de la prière. Owapi, total ici, définition, total ici, verset biblique. On a eu vraiment à parler des sous-thèmes et de thèmes vraiment qui nous a bénis. Et nous avons eu, Yako Fongola, Oezali, trois points nakati à la puissance de la prière. Donc, nous avons parlé de l'efficacité de la prière. Nous avons parlé aussi de point A, qui est la prière d'intercession. Point B, la prière de la confession. Et aujourd'hui, nous allons chuter avec la prière de la gratitude. Aujourd'hui, nous allons chuter sur la prière de la gratitude. Aujourd'hui, nous allons chuter. Nous allons clôturer notre très grand sujet de bénédiction par la prière de la gratitude. La prière de la gratitude. Et c'est quoi la prière de la gratitude? Oh mon Dieu! La puissance de la prière. Pour que votre prière soit efficace,
Vous devriez savoir comment faire la prière d'intercession. Vous devriez savoir comment faire la prière de la confession. Vous devriez aussi savoir comment faire la prière de la gratitude. Donc, ces trois points de la prière, ce qui n'a nos alina maîtrise, n'a un côté, ma soeur, mon frère, je t'ai dit, la prière que tu es en train de faire matin, midi, soir n'a pas d'efficace. Lorsque nous nous approchons devant Dieu, approchons-nous non seulement pour nos propres besoins, mais pour le problème ou soit pour le besoin que Dieu intervienne à la solution de ma sœur ou de mon frère qui est là à côté de moi. C'est-à-dire que oublie-toi. Je sais que tu as beaucoup de préoccupations. Je sais que tu as beaucoup de problèmes à demander à Dieu, mais oublie d'abord ça. Occupe-toi d'abord de brebis de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. Et la prière de la confession. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Nous avons été nés dans le péché. Nous vivons dans le péché. Nous grandissons dans le péché. Et malgré nos erreurs, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas laissés. Il te dit seulement, reconnais tes péchés et viens à moi. Faisons comme l'enfant avait fait dans le livre de Luc chapitre 15. L'enfant qui était allé et quand il s'est retourné en lui-même en disant que dans la maison de mon père ne manque pas à manger. Et il était encore de retour. Il a commencé premièrement à confesser. Oui, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché. Je ne suis même pas digne, bien-aimé. Non. Malgré tes erreurs, malgré tes défauts, je t'ai dit que Jésus t'aime beaucoup. Reviens à lui. Malgré tes erreurs, tu ne mérites pas le pardon chez ton mari. Même ton mari, là. Il n'a même pas un cœur pour te pardonner. Même ta femme là, elle n'a même pas le cœur pour te pardonner. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Il te dit, viens et il va te donner le repos que le monde ne t'a jamais donné. Yes. Et aujourd'hui, on parle de la prière de la gratitude. La gratitude va un peu avec le remerciement. Va un peu. C'est-à-dire, la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est le sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'objet. Je répète, je suis en train de faire la différence entre la gratitude et le remerciement. Mais sinon, on va comprendre que nous sommes mis les uns dans le cas que l'on va pouvoir aller dans le point où ils allaient qu'on coûte un isengo. Et alors, la gratitude, c'est le sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'objet. C'est-à-dire la reconnaissance. Mais tant que tu as besoin de ce que tu as remerciement à Dieu, remerciement et l'ingi koloba. Témoignage de la reconnaissance. C'est-à-dire que nyoso ezali nango kaka na ba mot différent mais ezali na ba sens moko. Et alors, celui qui dit je remercie Dieu et celui qui dit que je suis en train de faire la prière de la gratitude envers Dieu, donc c'est-à-dire que celui-là n'a pas tort, Donc sinon il y a important Eza que na vie à moutou, il faut qu'ozalaka reconnaissons. La reconnaissance, la prière de la gratitude. Nous sommes des êtres humains. Nous avons été créés de Dieu. Tobimelelika kabouena moukilina pambate. Nous venons de quelque part. Mbwa oyo yo mona kawana na tongo la muki na tongo moni mbwa. Nyau omoni banzete, omoni bibale, omoni bato, omoni papa, omoni mama. Tous, on vient de quelque part. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1, rien de ce qui existe n'a été existé sans elle. Non. La gratitude. Nos gratitudes, bien-aimés,
Ça doit être adressé à Dieu. On doit être reconnaissant à Dieu. Combien des hommes, combien des humains ne sont pas reconnaissants envers leur Dieu, envers Dieu. Même avec le peu que tu as, sois reconnaissant envers Dieu. Même avec le peu de souffle de vie que tu as, bien-aimé. Je te dis là où tu es, commence seulement à remercier Dieu. Non. Lorsqu'on élève Dieu, et il y a le miracle qui descend. Lorsque le Fils de l'homme est élevé, non. Mon Dieu, il y a de grandes choses qui descendent. Tu es en train de souffrir parce que tu n'élèves pas Dieu. Tu es en train de subir des conséquences graves dans ta vie parce que c'est-à-dire que dans ta bouche, dans ta vie, tu ne fais pas la prière de la gratitude. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. La pratique, bien-aimé, il y a prière, il y a gratitude et régulier. La prière de la gratitude nous apporte davantage de sérénité ou au quotidien une sensation de tranquillité, d'harmonie. La prière de la gratitude nous apporte la sérénité. La prière de la gratitude nous apporte la sérénité. La prière de la gratitude nous apporte le soutien, la main forte de Dieu. La prière de la gratitude nous apporte la solution. La prière de la gratitude nous apporte le miracle. La prière de la gratitude ouvre les yeux des aveugles. La prière de la gratitude nous donne des forces spirituelles. La prière de la gratitude nous donne la tranquillité. La prière de la gratitude nous donne l'harmonie là où nous sommes. La Bible nous dit quelque part, dès que vous aurez à élever le Fils de l'homme et vous connaîtrez ce que je suis. Comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé. Moïse a élevé le serpent de rein. Pour maladie, mon corps est écarté dans la vie à bateau. De la manière à ce que ceux qui m'ont osé mordu dans le serpent, ceux qui ont tali kaka nyo kawana Moïse a tombola qui automatiquement maladie malamoko salini ni esili abikin. Mais bien aimé dans le Seigneur, on doit élever Christ. Quand Christ est élevé, nous avons la vie. Quand Christ est élevé, nous avons la solution. Quand Christ est élevé, les infirmes prennent, dont les infirmes marchent. Quand Christ est élevé, les yeux des aveugles recouvrent la vie. Quand Christ est élevé, tu seras guéri de ton maladie. Quand Christ est élevé, tu es béni là où tu es. Quand Christ est élevé, tu es délié de toutes tes chaînes. Quand Christ est élevé, soyons des reconnaissants, soyons des hommes et des femmes reconnaissants envers Dieu. La prière de la gratitude. Vous prenez tout votre temps de demander à Dieu. Vous prenez tout votre temps d'envoyer le feu pour aller consumer le monde des ténèbres, détruire les œuvres et les autels. Vous prenez le temps de détruire des autels. Vous prenez le temps de casser, de démolir, d'envoyer les épées pour détruire, pour tuer les démons de quartier, de votre famille, de votre maison, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas le temps de prier pour la gratitude. La prière de la gratitude. Plus vous élevez Dieu, plus la bénédiction, la grandeur vous arrive dans la vie. Moins vous élevez Dieu, vous priez pour vos problèmes. Sache-le que moi aussi, vous avez aussi la solution. Devant vos difficultés, devant des problèmes, élève seulement le nom de Jésus. Tu te retrouves devant une situation. Non, c'est Dieu qui a permis que cela arrive, bien-aimé. Fléchis tes genoux à cause de ces problèmes, non seulement pour demander la solution, mais pour élever ce Dieu-là qui va te donner la solution devant ce problème qui persiste devant ta vie. Le Dieu Tout-Puissant. La gratitude est l'affirmation la plus puissante que nous puissions faire.
la gratitude. La prière de la gratitude, ma sœur, mon frère, c'est l'affirmation. La prière de la gratitude, c'est l'affirmation la plus puissante que nous puissions faire le matin, le midi et le soir. Car nous n'adressons pas à l'homme, mais nous adressons à Dieu créateur. Nous sommes en train de lui dire que nous sommes reconnaissants de tous ses bienfaits dans nos vies. Et quand on est reconnaissant, ça donne Dieu la joie encore de nous faire du bien. Elle déclare à l'univers tout entier que nous sommes reconnaissants pour tout ce qui se trouve dans notre vie et pour la personne que nous sommes. Pour la personne que nous sommes, Jésus, je t'ai dit merci. Pour les obstacles qui m'arrivent, Jésus, je t'ai dit merci. Pour toutes les créatures sur la terre, Jésus, je t'ai dit merci. Je t'ai dit merci. Jésus, je t'ai dit merci de la grâce que tu m'as fait, de m'avoir retiré dans le péché, de m'avoir retiré dans la poussière, pour me faire asseoir avec le grand, pour m'établir ton serviteur. Merci. Dieu t'a sauvé. Regarde bien ta vie, ma soeur, mon frère. Depuis Obotama, Nakino Leloyo, combien de problèmes oyo oleki na yango na vie? Baksida oyo koutani nango. Mes voisins bozalaka ne pa koutana nango. Me ya koufa. Me yo koufito zan vie. Me tala ba defo o mde ko moussous. Bo salaka aksida ta moussous penze la moko. Me tala ba defo o wana kuna koma nango. Me yo zan nango te tango moussous. Ozalaka ti na mbeto na hôpital peut-être na bonbonne. Combien de gens koufika na bonbon wana ka oyoza na ngwana. Mais le Seigneur t'a donné quand même la vie. Même avec le peu de minutes là qui te reste, tu prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps de lui dire merci. Prends le temps de lui dire merci dans ta vie. Prends le temps. Soto lobito calculer ba nombre ba zemi oyo longola. Oza muto bota alisute. Mais le Seigneur t'a fait grâce aux huit bana. Non, l'obélela est zambé, merci. Autant à nos coups, tu vas classe à ma longate. Français, pe mo boulou. Anglais, coup, tout le bakou, tout est. Mais zamba salio grâce aux huit mon sala. Pe sa zambé, wana merci. Oza mouto vivaka na ba relation. C'est Dieu qui a permis que osa latina niveau ba relation wana. Parce que sans Dieu on ne peut rien faire. Pe sanzambe wana merci. Tu sors le matin ozwa, ozwate, quand tu rentres le soir chez toi à la maison, pe sanzambe wana merci. Osa la déjà boti, osa la nano botite, mais vu qu'il y a la prophétie sur ta vie que tu seras la mère des enfants, ma sœur, mon frère. Pe sanzambe wana merci. Que la prophétie s'accomplisse ou ça s'accomplisse pas, nous allons dire merci à Dieu. Qu'il nous arrive le bonheur, qu'il nous arrive le malheur, nous allons dire merci à Dieu. Car il est fidèle, son amour dure à jamais. La prière de la gratitude, c'est l'affirmation la plus puissante. Non, plusieurs négligent ça. Plusieurs t'ont négligé à Makambu. Oh yo yo. Tomi pesa ka mingi na ba prière ya ba futilité. Tomi pesa mingi na ba prière ya ba destruction des hôtels. Tomi pesa ka mingi na ba prière ya ba buka bikeko, lamba bikeko, balola kuna zongisa kuna. Oui. Mais la prière la plus puissante, c'est la prière de la gratitude. À cause ya manque ya reconnaissance, plusieurs ba koma ko regretter na ba vie na bango. À cause y a manque y a reconnaissance. La reconnaissance dans la vie de nous les chrétiens doit être automatique. Même envers celui qui t'a aidé. Ah mon frère, merci beaucoup de m'avoir aidé. Muninga sunga kyo pozwa musala. Ah mon frère, merci.
Muninga sunga kyo na place akolala na poto. Ero koma ki na poto ndeko. Ozala ki nesika kofanda te. Ndeko ndeko te. Esika kolala, esika kolala te. Mukanda mukanda te. Il y a quelqu'un qui t'avait aidé. Pozo wa ba processus, pozo wa ba solution, pozo wa penda kulelo fanda. Na ba nandengo fandi na kimia. Me ya yote lelo bo koma binemi. Trouve lui. Yebisa e merci. Merci. Yebisa e merci. La reconnaissance libère, bien-aimé. La reconnaissance libère. La reconnaissance est très puissante que toutes les armes de la prière, la reconnaissance. La prière de la reconnaissance fait tomber même le mur. La prière de reconnaissance. Face à ma problème, face à ma difficulté, tombe la combo à Yesu. Élève le nom de Jésus. Dis-lui merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant vers ton Dieu. Lipa oyo zolia. Combien ba liango te lelo. Mais yo quand même ozu yango. Pe sa zambi wana merci. Zalaka reconnaissant na mutu oyo asali yo bolamu. Po. Lobi akoba encore na kosa le lokor bolamu parce que c'est à ton bénéfice. Awa na kata mikanda bazota lisabi soke. La pratique régulière de la prière de gratitude nous apporte davantage de sérénité, de quotidien, une sensation de tranquillité, d'harmonie. La prière de la gratitude nous apporte des choses, nous apporte. De la même manière, la reconnaissance envers ton frère, envers ta sœur, va t'apporter aussi beaucoup de choses. La reconnaissance apporte encore une autre dimension dans la vie. Si tu n'es pas reconnaissant dans la vie, bien-aimé, sache-le que c'est difficile d'avancer. C'est difficile d'avancer. La vie est faite des hommes et des femmes qui sont reconnaissants envers Dieu et envers celui qui t'a aidé. Parce que nzambe po salela yo, aro salelo ka na nzela ya mutu. Et bien là, bato ba koma ba millionnaire, ba koma ba milliardaire. Et ça ka na nzela ka ya mutu. C'est parce qu'ils ont eu à rencontrer des gens. Mutu wa natalisia ebisi ete non, moni koto ba zoki sakabwe, ba salakabwe. Voilà pourquoi ils sont devenus. Et ils ont été reconnaissants aussi envers ba ye, oyo ba lakisa bango chemin. Vous êtes un patron, vous avez des travailleurs, o ba zo travaille na société na yo. O beti comptabilité à société na o moni kete, même bénéfice ya 10% koti na kat sa société. Fandi sa ba travailleurs na oyebi sa bango non, merci. Merci, je vous remercie. Yo zate, moi on a moni bo travailler bien te. Mais quand tu n'es pas reconnaissant dans de petites choses, et alors dans de grandes choses, on a la reconnaissance. La méchanceté de cœur de l'homme. La méchanceté de cœur de l'homme. Apprenons à dire merci. Aux gens bien-aimés, au bazo salabiso bola mon avis. Je prie à mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, de mettre des gens qui vont te ramener à ton destinée devant toi au nom de Jésus-Christ du Nazareth. Mais à une seule condition, sois reconnaissant. La prière de la gratitude. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, 36. Romains chapitre 11, 36. Voilà. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. N'habite ce qui te comprendre passage biblique. Oye. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est-à-dire quoi? Toutes choses, oyo zo mona na mukili. Bien aimé, oya na mukili, oya ta na crayon te.
oya na mukili oya tana na capuchon ya bikite atana eteni ya 50 frères mukie katana oya na yangote oya kaka bongo kaka boye na mukili. Maintenant on te dit que Dieu existe ndekozo sala badouti le loyo komi ko contredire le loba nzambe le loyo komi ko telemela basali ya nzambe le loyo komi ko loba mabe pona li loba nzambe do ko nzire omibimeleli na au hasard. Bien aimé, toye banamitu na biso que nyonso oyo ezali koexister appartient à l'Éternel. Ezala na likolo na mipepe, ezala na mabele tope na se na mabele. Rien de ces choses n'a été créé d'elle-même. Tout lui appartient. Romains chapitre 11 verset 36. Torotanga encore livre à Proverbe. Proverbe 3:5. Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnaissez-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc 5 à 6, Proverbe 3, 5 à 6. Nabandeli, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc c'est-à-dire quoi? Le Seigneur arrive dans un moment à planir. Oh, ezali ba sentier, ezali ba montagne. Le montagne s'élève dans ta vie. Et tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Ba montagne kotika la côté le melela yo. Celui qui élève Dieu, Dieu aplanisse toutes les montagnes qui est là devant lui. Celui qui élève Dieu, Dieu fait repousser toutes les malédictions qui est là devant lui. Celui qui élève Dieu, Dieu fait repousser la condamnation, la malédiction, la sécheresse, les esprits impurs qui s'avancent devant lui. Celui qui élève Dieu prend de la force surnaturelle. Celui qui élève Dieu n'a pas peur. Celui qui élève Dieu, même si etikali une minute, il a toujours de l'espoir que le Seigneur va s'élever. La Bible nous dit, reconnaissez la voix de l'Éternel et il aplanira tous vos sentiers. Il aplanira. Non, je prie à mon Dieu d'aplanir toutes les montagnes qui sont là devant toi. Toutes les montagnes de malédiction, toutes les montagnes d'esprit de mort, de la maladie, de la condamnation qui s'élèvent devant toi, que cela soit aplani par les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le montagne de la stérilité, le montagne de la pauvreté, le montagne de manque d'emploi, le montagne de manque d'intelligence, le montagne de doute, que cela soit aplani par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me croit dit fort amen. Yes. Le Dieu tout-puissant, mon Dieu créateur. Non. Celui qui élève le nom de Dieu et Azalak abandonné tes. Oh mon Dieu. La Bible est claire. Proverbe 3 à partir de 5 à 6. Mengana fandika mingika na 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Sois reconnaissant envers Dieu dans toutes tes voies. Même si ozali na niveau ya vie ya pasi yango ya lolenge nini. Sois premièrement reconnaissant envers Dieu. Même si tu es en train de voir rien devant toi. Sois reconnaissant envers Dieu. Habakkuk dit, je reste toujours fidèle à mon poste. Je reste toujours fidèle. Je ne perdrai pas ma foi. Je ne suis pas de race de gens qui reculent. Je ne suis pas de race de gens qui sont des aigrants envers Dieu. Même dans de petites choses, je vais élever le nom de Jésus.
Même si je ne vois rien, je vais élever le nom de Jésus. Même si j'ai peu de vie dans Internet, je vais élever le nom de Jésus. Je vais élever le nom de Jésus. Même si vous me critiquez, même si bon l'amour si ba dossier ba makambunyo surtout ya kala, pour na rotali salanga minduki, na okipe mututé na kotombola ka kombo ya Yesu. Na tombola ka kombo ya Yesu. Parce que il est plus grand que tous les problèmes de ce monde, il est plus grand. Il est plus grand. Au lieu d'élever Jésus, bokomi ko fanda pour élever ebele bakomi ko kende ko fuka mela bikeko neko on ne fléchit que les genoux devant Dieu et non devant babikeko et non devant des hommes. L'honneur et la gloire ce n'est que à Dieu et non aux hommes, et Dieu ne partage jamais sa gloire. Moto oya zali ko gumba mela bikeko, moto oya zali ko kende derrière ba magie ainsi de suite. La colère de Dieu est derrière toi, ma soeur, mon frère. Ne vous confiez pas na ba marabout, ne vous confiez pas na ba féticheur, na ba magie. Mais confiez-vous à l'Éternel. Élevez seulement le nom de Jésus. Même si problème en mon avis na le kio ndenge nini, même si yo ki soni bien-aimé na mona batu ba souffrant pendant ba 38 ans, mais un jour bien-aimé ba bosana ba souffrance wana ba 38 ans, laisse que le Seigneur Dieu alongola soni na vie na yo au nom de Jésus de Nazareth, le roi des rois. La prière de la gratitude. On doit être reconnaissant envers notre Dieu. On doit lui dire merci de tout ce bienfait. Nga na vi na nga rena bi na za moto na kanga muno kote esiko ba okumisa kombo nzambe. Je prends bien mon temps pour élever, pour adorer mon Dieu en vérité et en l'esprit. Et quand Christ est élevé dans ma vie, c'est la solution. C'est la hauteur. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, dans le Seigneur, de faire la prière de la gratitude. Car ce sont des prières qui sont très puissantes. Ce sont des prières qui sont très, 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 très puissantes. Être reconnaissant envers Dieu. Je vous appelle à être reconnaissant. Celui qui est reconnaissant envers Dieu, il renouvelle encore sa force. Car Dieu est notre force, celui qui est notre appui, l'appui solide, la source d'eau intarissable, c'est Jésus. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Nous sommes à la fin. Les lois qui clôturent, ya maté ya oyoyo, tobanda qui sur la puissance de la prière. Donc on a parlé de partie A, de l'introduction, partie A, partie B. Aujourd'hui c'est la dernière partie, la partie C. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé, partagez nos vidéos, intéressez aussi les autres. Faites votre contribution de 1$ pour soutenir l'évangile. Et évangile et kendeliboso, nous sommes à la préparation. Oyoapi nazali ko se préparer pour na terre ya njili, pour na terre ya njili, pour na croisade ya monene ezo senga ba fiche de zo senga ba makambo belé. Donc boye bibi nomoro, comment est-ce que évangélisation et senga rambongo, évangélisation et senga rambongo, vous êtes le membre du corps de Christ. Et alors, bon minimiser Moussala Oyo, tu sais, bon contribuer. Et alors, bah, Oyo, bah, contribuer, bah, et bah, et bah, combo na bango kozala grave, et puis le monde en parlera d'eux. Et le ciel sera reconnaissant de ce que vous allez faire. Na ajoute, ya Pierre na yomoko, na katia œuvre Oyo. Et alors, notre numéro est là. Bon benga pour envoyer vos requêtes chaque première lundi, ya moi. Tous à la rawana na ngomba ya étonnance à partir ya 8h30 kino 11h45.
À partir donc, c'est-à-dire chaque premier lundi à moi, tous à la canne à montagne, il y a étonnance. Donc de 8h30 à 11h45. Aux Ali Nathan et Koyate, Tinda Requet Senayo, le numéro où les Ali affiché. On est là pour prier sur vous. Et alors, nous sommes là, groupe d'intercession internationale. Donc, c'est-à-dire, Ezalina Limite, c'était groupe d'intercession internationale. Et alors, groupe Ezali tellement mounéné, et ben, dit, ah, on a kati na Congo, on a kati na Kinshasa, nous voulons nous rassembler tous dans le monde. Ce n'est que le brebis de l'éternel, au bakoyo kamungongo, pe bako doutete. Et alors, le brebis de Dieu connaissent bien la voix de Dieu, connaissent très bien la voix de leur Père, ils n'hésiteront pas de contribuer, ils n'hésiteront pas d'envoyer leur requête pour que Tobondela Natina Nabango. Et alors, le lundi 6 décembre, Ezali, premier lundi, il y a mois. Le lundi 6 décembre, Ezali, premier lundi, il y a mois de décembre. Donc, lundi, il y a mois, il y a décembre. Oyo yo tokozala na montagne, il y a étonnance à partir ya 8h30 kinongonga na 11h30. Tomona na wana ebele, tomona na wana ebele 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 tomona na wana ebele, ya leur numéro za non komi juste na entrée au bengi. Ya leur pona baye o bazali libanda mboka, pona baye oyo yo tangso ba kozwa possibilité tope makokia koyate. Envoyez-nous par SMS ou par texto na WhatsApp, nous allons réagir à votre préoccupation. Nous aurons le temps de prier à votre sujet. Le Seigneur bénisse sa parole. C'est moi, le serviteur de l'Éternel, René Abiri, l'évangéliste. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. Merci. On se retrouve au prochain. Merci. Bye. Temps de la parole.